Bonjour amis de la lecture et bienvenue dans ma bibliothèque. Je suis Babarette et aujourd'hui je vous présente ma pile lire pour le Pumpkin Autumn Challenge 2020 que j'attends depuis longtemps, au moins le début de l'été. Depuis le début de l'été, j'ai envie qu'on soit en automne rien que pour pouvoir me lancer dans le Pumpkin Autumn Challenge. L'automne, c'est ma saison préférée de chez préférée. Donc je pense que je vais faire un peu plus de vidéos que d'habitude. Peut-être des vidéos hors lecture, du style recettes. Et normalement, il y aura d'autres changements dans ma vie. Donc, je vous montrerai sans doute ça. Mais avant, mon éléphant et moi, nous allons vous montrer ma pile à lire pour ce challenge 2020. Ce challenge qui m'enchante déjà. Les trois menus avec les quatre sous-catégories. Sont magnifiques. J'adore ce challenge. Je l'ai découvert l'an dernier et bon, ouais, je l'aime déjà énormément. C'est ce challenge qui m'a donné envie de me lancer sur BookTube. Donc, sans plus attendre, voici la présentation de ce que je veux lire pour le challenge. Alors, on va remettre un peu ma tête en entier. Voilà, pardon. Pour le menu automne, douceur de vivre, la première sous-catégorie, il fait un temps épouvantail, donc avec les thèmes Halloween, Samhain et l'automne. Malheureusement, là, j'ai pas trouvé de quelque chose qui me semble correspondre. Donc, ben, honnêtement, je pense que je vais finir par trouver, mais à vos idées en commentaire. Vraiment, je demanderai conseil aussi sur le groupe Facebook, mais si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les partager. Ensuite, siroter un chocolat chaud sous les saules, anthropomorphisme, enfance, feel good, cocooning. Oui, si je regarde là, c'est parce que j'ai pris mes notes là et que j'ai tous mes bouquins là. Alors là, je vais lire Reverendum de J.R.R. Tolkien. Alors, j'imagine que beaucoup de gens connaissent Reverendum, qui est tout petit. Là, c'est vraiment pour le côté enfance et feel good, cocooning. Reverendum, c'est un conte que Tolkien a écrit pour son fils quand il était très jeune. Son fils avait perdu un jouet et Tolkien a décidé d'écrire les aventures de ce jouet, un chien, Reverendum. Rover, qui est parti sur la Lune, et l'idée c'était de consoler son fils de la perte de ce jouet en lui inventant une histoire, et je trouve ça tellement beau, tellement charmant. Et puis en plus, j'aime énormément Tolkien, je trouve que enfin, ce qu'il écrit c'est magnifique, donc j'avais très envie de lire Reverendum. Alors j'ai couru me l'offrir. Je me le suis pris en français, je vous avoue, parce que j'avais pas très envie d'attendre, mais je pense qu'un jour je le lirai en anglais. D'ailleurs, pour la petite histoire, Kafka a fait à peu près la même chose que Tolkien, mais avec une fille qu'il ne connaissait pas. Un jour, Kafka a vu dans un parc une petite fille qui était en larmes parce qu'elle avait perdu sa poupée. Et il a dit à cette petite fille, ne t'inquiète pas, ta poupée est partie en voyage, elle va t'écrire. Et très régulièrement, donc il écrivait une lettre de la poupée à la petite fille. Donc il a fait ça, ben, je crois que c'était tous les jours, tout un été, il écrivait les lettres de la poupée à cette petite fille. Et il faisait ça alors qu'il était mourant et qu'il le savait. Et donc il avait énormément de travail encore à faire. Et il s'était dit que l'une des choses les plus importantes qu'il devait faire avant de mourir, c'était de consoler une petite fille qu'il ne connaissait pas. Et ouais, voilà, j'adore ce type d'histoire sur les auteurs parce que même si je suis pas, enfin, je m'intéresse pas forcément à la vie en particulier des auteurs, je trouve que le fait d'utiliser l'écriture pour consoler quelqu'un, mais un enfant, par exemple. Bah c'est tellement merveilleux, ça montre tellement ce à quoi sert aussi la littérature, à savoir nous consoler du réel. Voilà, donc, en tout cas, je vais lire Reverendum, que j'ai envie de lire depuis un bon bout de temps. Donc voilà pour Reverendum. Ensuite, autre chose qui n'a rien à voir, mais qui va
Sans doute pas vous surprendre de ma part si vous connaissez ma chaîne et bon, si vous avez reconnu d'où vient mon pseudo et si vous avez vu mon compagnon, je vais lire un livre qui s'appelle Éléphant. Est-ce que vous voyez? Voilà, comme ça, un peu de côté, normalement on voit. Éléphant de Martin Sutter. C'est un roman qui est traduit de l'allemand. Je pense que quand je l'aurai lu, peut-être un peu plus tard, je me le commanderai en allemand également, parce que j'essaye de m'y remettre. C'est l'histoire d'un homme qui découvre un éléphant rose dans une grotte. Voilà, il passe la nuit dans une grotte, et puis un jour, il trouve un éléphant rose dedans. Donc ça va parler de manipulation génétique. Donc il y a des gens qui vont essayer de lui reprendre l'animal. Et je me suis dit, ça a l'air assez charmant. Il y a peut-être un côté, il y a sans doute un côté très aventureux. Mais la quatrième de couverture parlait de romans rafraîchissants. Donc je me suis dit, allez, ça sent le feel good, le cocooning. Et également, mais ça, donc je vais pas vous le montrer parce que ben sans doute, enfin, pour des questions de droit surtout, de droit d'auteur, mais je vais me faire la fin de la série. J'en suis au début de la saison 2. Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Donc la série sur cette plateforme de films et de séries, n'est-ce pas, que tout le monde connaît. J'ai déjà commencé et j'adore cette série. Je trouve que je les ai lus quand j'étais ado et je les ai relus récemment, il y a un an ou deux. Et je trouve que c'est charmant. Donc c'était pour le côté enfance, donc déjà parce que ce sont des enfants. Mais aussi parce que ben, c'est mon enfance, mon adolescence. Et je trouve que, alors c'est drôle, il y a des jeux de mots savoureux. Les personnages sont extrêmement attachants. Le méchant, le comte Olaf, est extraordinaire. Il me fait rire, il est horrible. Et en plus de ça, mais dans chaque tome de la saga et donc chaque épisode de la série, la bibliothèque, une bibliothèque, quelle qu'elle soit, il y a toujours une bibliothèque ou des archives. Le seul tome dans lequel il n'y a pas de bibliothèque, c'est des archives. Et un autre tome dans lequel il n'y a pas de bibliothèque, c'est pas grave parce que c'est un hôtel qui est classé, qui fonctionne selon la DWA. Et donc les bibliothèques sont partout. Ce qui fait que bah, forcément, en tant que bibliothécaire, ça me fait forcément un peu plaisir. Donc ça, ce sera pour le côté cinématographique, le côté audiovisuel du Pumpkin Mountain Challenge. Ensuite, Fafnir ton assiette, sinon pas de piécette. Alors pour moi, Fafnir, c'est un dragon dans la BD Jouant Pierre Louite, qui sont les personnages qui ont introduit les Schtroumpfs. Mais j'imagine qu'il y en a un autre de Fafnir. Je pense que c'était une référence encore autre chose. Mais je trouve que Guillemots a toujours le chic pour trouver des titres très, très marrants. Donc là, il s'agit de trouver des créatures légendaires et fantastiques du petit peuple, de la féerie, des contes, des légendes et des mythes. Bon, alors là, j'en ai quatre. Alors, est-ce que je vais lire tous les livres de ma pile à lire pendant cet automne? Je ne sais pas, on verra, c'est pas grave, l'important c'est de se dire, oh, j'ai celui-là qui me fait envie, et puis celui-là, et puis celui-là, et puis celui-là, et puis on verra. On verra si je le remplis de toute façon pour ce challenge, comme le dit Guimauze, l'important c'est de participer. C'est vraiment, voilà, c'est pas une compétition entre nous, ni même pas forcément avec soi-même, c'est un plaisir. Un plaisir pur. Donc, que vais-je lire pour Fafnir ton assiette, sinon pas de piécette? Eh bien, hop là. Ah, j'ai mon bras qui sort du cadre et qui ramène quatre bouquins. Alors, le premier, je pense qu'il est plus vieux que moi, ce qui explique son état, même si j'ai des livres plus vieux que moi qui sont en meilleur état que ça.
J'ai juste regardé la date de publication pour rigoler. Oui, c'est ça. 1963. Alors, je vais lire les contes d'Andersen. Donc, c'est l'intégrale. Ils y sont tous. C'est vrai que ça fait peut-être un peu plus hiver. Ils me font peut-être plutôt penser à Noël. C'est probablement à cause de la petite fille aux allumettes. J'aime énormément les contes d'Andersen et je me dis cette fois-ci, je vais peut-être tous les lire en tout cas. Lire au moins ceux que je n'ai pas lus et je vais probablement relire d'autres contes. Par exemple, Le Briquet, c'est un de mes préférés. J'aime beaucoup Le Costume Love de l'Empereur aussi qui me fait beaucoup rire. Et puis Le Vilain Petit Canard, évidemment, Le Vilain Petit Canard, ça me fait pleurer d'abord de tristesse puis de joie. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas la version Disney en court-métrage du Vilain Petit Canard, il faut la voir parce que c'est d'un émouvant, c'est extraordinaire. Donc voilà, les contes d'Andersen, je me suis dit, allez, pour. Il faut des, il, on doit mettre des contes. Ben voilà, des contes. Hop, je repose. Ensuite, pas grand-chose à voir, mais j'avais envie de le lire depuis longtemps, et ça c'est pour le côté mythe. Je vais lire L'Enchanteur de Barjavel. Ça fait longtemps que j'ai envie de le lire. Je me suis acheté il y a pas très longtemps celui-là, et je me dis, allez, le Pumpkin Challenge, c'est probablement la meilleure période pour lire ce genre de bouquin. J'avais envie de me mettre aux légendes du roi Arthur depuis quelque temps déjà. J'avais lu notamment Les Dames du Lac. Et oh, c'était il y a 4 ans. Et j'ai fait un voyage en Angleterre il y a 4 ans. Et depuis, j'ai très envie de lire tout ce qui tourne autour du roi Arthur. Et qu'est-ce que je fais? Bah, au lieu de lire les histoires, bon, je dirais pas originales parce que. Qui a écrit l'histoire originale du roi Arthur, je ne sais pas, mais au lieu de lire les versions médiévales que j'ai prévu de lire également, eh ben je commence par les réécritures, voilà, c'est pas grave, on a le droit de faire ça, on fait ce qu'on veut avec la lecture, on fait ce qu'on veut. Hop. Ensuite, Tolkien et Tolkien, des contes, des légendes, les contes et légendes inachevées, n'est-ce pas? Voilà, tout simplement. Ce sont des contes de la Terre du Milieu. Et celui-là, je l'ai acheté d'occasion d'ailleurs, je suis en train de voir. Voilà, donc j'en ai déjà lu une petite partie. Mais là, bon, bah, soit je vais piocher dedans au fur et à mesure, au jour le jour, soit je vais tout dévorer d'un coup, on verra, ce sera selon l'humeur du moment. Et. Bien entendu, bien entendu. Oui, Le Seigneur des Anneaux, oui, bien entendu. Ça, je suis déjà en train de le lire, mais j'en suis au tout début de le relire. J'en suis au tout début du troisième tome de le relire, cette fois-ci dans la nouvelle traduction. Et dans la nouvelle traduction, Le Hobbit, également, bien entendu. Qui me paraît. J'ai envie de lire tout ce qu'il a écrit, même sa correspondance. Depuis l'expo que j'ai vue à la BNF, j'ai envie de tout lire. Je deviens une immense fan que je n'étais pas avant, que je connaissais presque pas avant, je connaissais un tout petit peu comme ça. Et puis l'année dernière, est-ce que j'avais. Oui, j'avais déjà vu les films, mais il n'y a pas très longtemps, je les avais vus il y a. Dans les dernières. Allez, il y a 5 ans, mais pas les trois d'affilée. Et là, l'année dernière, à l'occasion d'une nuit Peter Jackson, j'ai vu les trois films d'affilée avec deux amis. Et qu'est-ce que c'était bien, qu'est-ce qu'ils sont bons ces bouquins. Les bouquins, oui, bien évidemment, mais les films aussi sont bons. Et du coup, j'avais lu les livres, mais dans l'ancienne traduction. Et je préfère la nouvelle traduction. Je trouve que c'est
on se plonge dedans beaucoup plus facilement, elle est beaucoup plus belle et beaucoup plus proche aussi du texte original. Et évidemment, bon, bah, quand je pourrais, je lirai Le Seigneur des Anneaux en VO, mais c'est pas pour tout de suite encore. Donc, Le Hobbit, nécessaire dans un Tolkien Autumn Challenge de mettre un peu de Tolkien. Ok, là, il y en a beaucoup. Mais voilà, il le fallait. Nous passons au deuxième menu, le menu automne frissonnant, car l'automne c'est aussi Halloween. Et donc c'est des créatures qui font un peu peur. Et le premier menu, j'aime déjà le titre parce que c'est un des personnages préférés de la mythologie qui est cité. Je suis Médée, vieux crocodile. Donc là, il s'agira de lire de la trahison, de lire du thriller, de lire du policier, de l'horreur, de l'épouvante. Et je trouve que c'est parfait pour Médée. Elle aurait aussi bien pu le mettre dans Féminisme pour l'automne des enchanteresses. Et dis donc, Guimauze, Médée, mets-la dans les féministes. Non, si, mets-la dans les féministes. Donc, Médée. Si vous ne connaissez pas Médée, il faut découvrir Médée. C'est mon personnage préféré de la mythologie grecque. Vraiment. Elle est affreuse. Elle fait des choses monstrueuses. Mais c'est tellement l'image de la femme forte. J'adore Médée. Donc là, je vais lire. Eh bien, ça va être très étonnant. Médée, de Christa Wolf, parce que c'est une allemande, donc ça ne se prononce pas Wolf, ça se prononce V. C'est une réécriture du mythe en roman par une autrice allemande. Et une autrice contemporaine en plus. Et un jour, je le lirai en allemand aussi, mais c'est vrai que je suis un peu légère en langues étrangères, je ne suis pas extrêmement douée. Donc, j'aime souvent d'abord lire l'œuvre en français et ensuite la lire en version originale. Surtout pour la littérature contemporaine. Allemande, parce que je me souviens de mes années de prépa à faire des traductions d'œuvres du XXe siècle, de traductions depuis l'allemand d'œuvres du XXe siècle. Waouh, je comprenais rien, parce qu'ils inventent des mots, ils ont des tournures de phrases très difficiles à comprendre. Donc le XXe siècle, c'est ce qu'il y a de plus difficile à lire en allemand. Vraiment. Donc, m'aider. Ensuite, alors on va faire un peu de place pour éviter que tout se casse la figure. Ensuite, je vais lire de Umberto Eco, Le Pendule de Foucault. Je vais revérifier. C'est un thriller. Avec trois personnages qui aiment l'ésotérisme et l'occultisme. Je revérifie la quatrième couverture parce que je me souvenais pas très bien du résumé. Ça parle de ça. C'est un thriller sur des gens qui travaillent dans une maison d'édition, qui sont passionnés d'ésotérisme, et c'est Umberto Eco, donc ça va parler, il va y avoir une partie historique, ça va parler de tout ce qui est lié, pas à la littérature en soi, mais au savoir, à la connaissance. Umberto Eco, c'est un auteur à lire quand on est bibliothécaire, c'est... Évidemment, et pas seulement Le Nom de la Rose, qui est l'un des plus emblématiques, mais
Le pendule de Foucault, j'avais envie de le lire depuis longtemps aussi, et ça ressemble à une lecture de bibliothécaire. Alors, je précise que les bibliothécaires ne sont pas que des vieilles lunatées à chignons, même si oui, j'ai des lunettes et parfois je fais des chignons, mais je ne suis pas vieille d'abord, et je lis pas que des trucs sur les bibliothèques, hein. De toute façon, vous avez pu le remarquer. Voilà, mais. Évidemment que quand on est bibliothécaire, on a envie de lire ça. Enfin, voyons. En fait, c'est pas vrai. Je pense qu'il y a des bibliothécaires que ça intéresse pas forcément, mais je sais pas si c'est la majorité. Et évidemment, comme il faut de l'épouvante, je l'ai acheté un peu avant l'été. J'ai envie de le lire depuis longtemps. Le film m'a traumatisée, j'avais même pas vu la fin quand j'avais une quinzaine d'années, je l'ai revu il y a pas longtemps. Je parle bien entendu de Shining de Stephen King. Donc, faut-il que je vous le résume? Bon, on sait jamais, tout le monde n'est on n'est pas obligé de tout connaître. C'est l'histoire d'une famille qui part dans un hôtel parce que le père écrivain est chargé d'être gardien de l'hôtel. Et il va se passer des choses très 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 étranges. Et j'avais envie de lire le livre parce que Stephen King est vraiment connu pour être le roi de l'épouvante. Et moi, de Stephen King, j'avais lu seulement La Ligne verte, que j'avais appréciée, mais dans La Ligne verte, c'est pas tellement de l'épouvante, c'est du fantastique. Et donc j'ai envie de lire celui-là parce que je pense que c'est pas du tout le même style. Et j'aime bien découvrir plusieurs facettes d'un même auteur. Bon, bah, Stephen King, c'est un peu un, ça devient un peu un classique. Est-ce que je vais forcément aimer son style? On verra. Mais j'avais très envie de le lire. Ensuite, Les Chimères de la Sylve Rouge, gothique, vampire, créature de la nuit. Alors là. J'avais un peu de mal à trouver, je me suis dit, ah, je sais pas, j'ai pas grand chose sur les vampires ou les créatures de la nuit. Mais en fouillant dans la bibliothèque, parce que il y a beaucoup de livres qu'en fait j'avais déjà hein, dans la bibliothèque et j'avais pas forcément envie d'en acheter trop parce que je fais un peu des économies, je suis un peu ric-rac en ce moment. Et je l'ai trouvé d'occasion celui-là, j'ai dû l'acheter sur un marché. Je sais plus où je l'ai acheté. Lovecraft. La couleur tombée du ciel. Alors, j'ai découvert Lovecraft il n'y a pas très longtemps, au début de l'année. Un ami qui est extrêmement fan de Lovecraft m'avait offert une de ses œuvres. Je vais regarder la liste de ses livres. Il m'avait offert lequel? Il m'avait offert. Bon, bref, on m'avait offert du Lovecraft il n'y a pas longtemps par un ami qui est fan. Je me suis dit, mais c'est. Génial, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'il sait bien écrire celui-là. Donc, pour du gothique, bah, je ne trouve pas le nom de l'autre qu'on m'a offert, donc c'est pas grave. Et puis, bon, Lovecraft, gothique, voilà, tout simplement. C'est donc il va y avoir du surnaturel, il va y avoir des démons. Je sens que ça va être un peu flippant. Ça me semble parfait pour un automne frisson. Ensuite, Les Supplices de la Belladone, un livre à la couverture noire. Je voulais un essai. J'avais envie de lire des livres de plusieurs horizons différents. En essai, normalement, vous commencez un peu à me connaître et vous savez que je lis pas mal d'essais, surtout polytechniques. Et que en ce moment, en particulier, je m'intéresse à l'anarchisme. Donc, je l'ai déjà un peu commencé, mais à peine, il va compter pour un challenge. Je dois lire un livre à la couverture noire. Et donc, ce sera Ni Dieu ni Maître de Daniel Guérin, Anthologie de l'anarchisme. En fait, ce sont des textes, donc il y a des textes de Proudhon, de Bakounine, Nestor Makhno. Malatesta, Kropotkine aussi. Bref, il y a plusieurs auteurs anarchistes, les classiques, quoi.
Ce sont des extraits de leurs œuvres qui sont commentés. Donc, ça va me permettre de bien comprendre ce que c'est, de quoi il s'agit, de quoi on parle. Et ça a l'air trop bien. Je sens que je vais apprendre tout plein de trucs. Y a-t-il un vrai rapport avec l'automne? La révolution d'octobre, voilà. Oui, si, j'ai décidé qu'il y aurait un rapport. Voilà. Donc, un livre à la couverture noire, je prends ce que je veux. Hein. Ensuite, esprit, es-tu là? Fantôme. Fantôme du passé, famille. Historique, classique. Alors là, merci Guimauze, parce que vraiment, on peut mettre de tout là-dedans. Les histoires de famille, j'adore ça. Des classiques, j'en ai plein. Je lis un peu de tout, de toute façon. Hein, mais... Et des histoires de fantômes, bien volontiers. Là, j'avais pas d'idée. Mais j'ai de quoi faire. Et pour l'instant, j'en ai quatre dans cette catégorie, même si Guimauze avait parlé d'un recueil illustré de contes de Maupassant sur les fantômes. Ça me fait trop envie. Donc j'en ai quatre, dont deux qui m'ont été offerts. Je vais lire La bibliothèque perdue de Walter Mehring, autobiographie d'une culture. Donc Walter Mehring, c'est un auteur allemand. Qui est mort dans les années 80. Et il a connu évidemment le nazisme. Sa bibliothèque est partie en fumée, au sens strict du terme, au sens propre. Et donc il va revenir sur sa bibliothèque, le rapport qu'il avait aux livres dans son enfance, puis quand il est devenu adulte. Il va parler de sa famille. Et donc, ça va aussi être des mémoires historiques. Moi, j'ai été attirée par le titre, je me suis dit, oh tiens, ça parle de bibliothèque. Bon, j'ai envie de le lire. Voilà. Je suis contente de pouvoir le glisser dans le challenge parce que j'avais envie de le lire dans pas trop longtemps. Ensuite, un deuxième livre. D'une autrice dont j'avais beaucoup aimé La tristesse des éléphants, je crois que oui, je vous en avais parlé. Je me suis dit, allez, je vais en lire un autre d'elle parce que il m'a tellement. La tristesse des éléphants m'a tellement touchée que je veux continuer de découvrir cette autrice. Jodi Picoult, Mille petits riens. Alors, ici, il s'agit d'une sage-femme qui est noire, qui. Oui, c'est ça. En fait, elle va. Oui, je crois que c'est ça. Oui. Elle va s'occuper d'une femme qui vient d'un couple de suprémacistes blancs et qui va sortir de la maternité en deuil. Et donc, elle va être accusée de meurtre. Je sens que ça va être très triste. Que ça va être très violent, mais je fais confiance à l'autrice pour m'émouvoir une nouvelle fois, et puis d'autant que ce sont des thèmes très importants, et surtout en ce moment où on parle de plus en plus de racisme, et on a raison de le faire. Mille petits riens, ça a l'air d'avoir de quoi me plaire. Et ensuite, les deux autres les deux derniers de ce menu et de cette catégorie, ce sont des livres que mes parents m'ont offerts. Il y en a un offert par mon papa et un offert par ma maman. Donc, je vais commencer par celui que m'a offert ma mère, qui tient absolument à me faire découvrir Joyce Carol Oates, et je pense qu'elle a raison. Alors, le titre est là. Joyce Carol Oates. On a déjà le petit commentaire du Zola, Made in America.
J'adore Zola et j'aime beaucoup la littérature américaine, ça va forcément me plaire. Donc, une famille qui fait face à la Grande Dépression et aux émeutes raciales de 67. Voilà, j'en sais vraiment pas plus. J'en sais pas plus, je vous en parlerai quand je l'aurai lu. Je sens que ça va me plaire et ma mère m'a dit que c'était l'un des plus beaux livres qu'elle avait jamais lu. Donc, eh bien, je vais lire ça. Et le petit dernier, un livre de François Bégodeau, qui est un auteur pour lequel j'ai un sentiment un peu mitigé. Il y a des livres, ça dépend des fois, mais pourquoi pas, tant que. Je l'ai rencontré et interviewé l'année dernière dans le cadre de la librairie où je suis bénévole. Et j'avais passé une assez bonne soirée avec lui, parce qu'après on est allé boire un verre avec d'autres gens. Et mes parents en sont très très fans. Et mon père m'a offert ce livre. Alors lui, c'est parce que voilà, il avait envie de me faire plaisir. Il avait un petit. On s'était engueulé un peu avant et donc il avait envie de faire la paix. Et donc il m'a offert un bouquin. Donc c'est l'histoire d'une famille de gros bourges qui est en vacances et bah, apparemment l'enfant va se faire enlever. Non c'est pas ça pardon. Peut-être. Mais c'est une famille de gros bourges et le petit dernier est un peu en souffrance. Ce n'est pas ce n'est pas un petit génie comme. Ce n'est pas un petit génie comme sa grande sœur. Et il va se passer un truc. Donc c'est une histoire de famille, un enlèvement. Et attendez, je vais vous montrer le petit ce que mon papa a tamponné dessus. Hop là. BDC Products, BDC c'est pour bande de cons. BDC Products International, une solution, un problème. Je trouve que mon papa aime bien faire un truc, c'est inventer des objets totalement falabrac, totalement fous, dont le principe est de ne servir à rien ou complètement charmé, quoi. Donc par exemple, il a acheté sur un vide-grenier des pâtes à glace et il a fixé des fers à repasser sur les pâtes à glace. Donc en gros, c'est des patins à repasser donc pour les draps ou ce genre de truc. Et il invente des machins comme ça et donc du coup, il s'est dit qu'il lui fallait un slogan, donc son slogan c'est une solution, un problème. Et ça m'amuse bien. Voilà, donc ça c'était pour la petite histoire sur ma famille à moi. Et qui donc du coup, voilà, je vous parle un peu de ma famille dans le thème fantôme du passé, famille. Voilà, ça colle. Et puis c'est un format un peu vlog, donc de temps en temps je parle un peu de ma life. Ensuite, le dernier menu, Automne des Enchanteresses. Et alors là, ça je sens que je vais m'éclater. Je n'ai pas sur moi tous les livres dont je vais vous parler. Du coup, et si vous avez d'autres idées en plus, il ne faudra pas hésiter à me les donner. Mais vraiment, là, je suis très contente parce que déjà, la première catégorie, c'est les rêves d'Aurore. Donc, le thème, c'est LGBTQIA+, et militantisme. Donc, là, comme lecture certaine que j'ai pas avec moi, je vais lire le roman graphique. La fille dans l'écran, non, j'ai oublié le nom de l'autrice, mais je vous mettrai ça en barre d'infos, où c'est l'histoire de. C'est une histoire d'amour homosexuel entre deux femmes.
Et ça m'avait l'air tout à fait charmant comme histoire. J'avais vu les dessins, ils sont très fins, très jolis. Et il me semble que c'est une assez belle histoire. Donc j'ai très envie de lire ça. Et également de Mishima, je vais lire Confession d'un masque, où il s'agit d'une partie de. Je crois que c'est son autobiographie un peu romancée, où il va parler de son homosexualité qui était. Ben, c'est dans les années 30 au Japon. Alors aujourd'hui déjà c'est assez mal vu, mais dans les années 30 au Japon, je ne vous raconte même pas. D'ailleurs, Mishima a mis fin à ses jours et. Pour autant que je le sache, c'est fortement lié à ce qu'il a pu subir en termes de discrimination. Donc ça, c'est le côté un peu plus militant. Et je pense que je vais lire également, j'irai à la librairie où je suis bénévole, et je pense que là-bas, je trouverai de quoi faire en termes de militantisme, et notamment sur la question de la transidentité. Ceci dit, si vous avez des idées de lecture sur tout ce qui concerne la sexualité, L apostrophe asexualité, je prends aussi, parce que je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, et j'aimerais bien lire des bouquins militants sur le sujet, quoi, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a rien, ou même pas forcément des bouquins militants, mais j'ai l'impression qu'on n'en parle jamais. Alors, la deuxième catégorie du menu, et là, ça me fait très 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 plaisir, Sarah Bernhardt, Monstre Sacré, parce qu'il va s'agir de dramaturgie, de théâtre et d'art. Donc, je ne sais pas encore quelle pièce de Shakespeare je vais lire, mais je vais probablement relire des pièces que je connais déjà, que j'aime déjà, et en lire d'autres que je ne connais pas, voir. Si j'y arrive, lire au moins toutes les tragédies que je n'ai pas lues. Parce que j'avais prévu d'en lire pour le Lost in Time Challenge, je crois, et j'ai pas eu le temps. Mais je vais lire du Shakespeare, ça c'est sûr. Évidemment, donc, je vous avais parlé de Tolkien il n'y a pas longtemps et de l'expo et art, livre d'art. J'ai déjà un peu feuilleté. Donc ça c'est le catalogue de l'exposition de la BNF, sous la direction de Vincent Ferré et Frédéric Manfrin. Frédéric Manfrin qui est donc bibliothécaire à la BNF et qui est quelqu'un d'absolument adorable parce que je l'ai dans mes contacts Twitter et si j'ai pu visiter l'expo gratuitement et qu'en plus je l'ai eu en visite guidée, c'est grâce à lui parce qu'un jour il a proposé à ses contacts Twitter une visite guidée de l'expo. J'étais au chômage à l'époque, je le suis à nouveau maintenant, d'accord? Bon. J'ai fait l'aller-retour à Paris dans la journée, j'y suis allée, il fallait que je la voie. J'avais très très envie de la voir. Et alors, les illustrations, les dessins sont magnifiques. Hop, je vais pas tout vous montrer, hein, mais. Il y a ce genre de choses. Il n'y a pas que des illustrations. Il y a aussi. Il y a aussi du texte, mais il y a beaucoup, beaucoup d'illustrations quand même. C'est l'un des principes du livre d'art. Voilà, qui parle de l'univers de Tolkien. Donc là, vous voyez, c'est. Donc ça peut rentrer aussi dans la catégorie SFFF. Hein, bon, de toute façon, c'est pas forcément important la catégorie dans laquelle ça rentre, mais du coup, je vais me pencher un peu plus sur ce bouquin. Je ne sais pas si je vais le feuilleter ou le dévorer complètement, probablement un peu des deux, mais je pense que je vais quand même lire tous les textes qui y sont, parce que ça permettra d'apprendre tout plein de choses. Hop. Il est lourd. Par contre, ça, je vous avoue un truc, c'est qu'il est lourd. Ensuite, les écailles de Mélusine. Féminisme, transformation, métamorphose. Et ben voilà, je vais lire un essai. Transformation, métamorphose. Alors, pas trop trop d'idées. Parce que bon, les métamorphoses d'Ovide et d'Apulée, j'ai lu, mais
Si vous avez des idées de lecture sur la métamorphose qui ont un lien avec le féminisme, ouais, je prends. Pour mélanger un peu tout. Bon, l'histoire de Mélusine, certes, mais si vous en avez d'autres, allez-y. Donc, je vais lire. J'avais déjà prévu de lire avant, mais voilà, encore une chose en entraînant une autre. Je lis pas forcément les livres que j'ai envie de lire à un moment T, je finis par les lire un peu plus tard. D'Olivia Gazalée. Hop là, voilà. Le mythe de la virilité, un piège pour les deux sexes. Là, vous ne voyez plus du tout le titre à cause des reflets. Aux éditions de Pocket, collection L'Agora. Donc, c'est un essai qui explique pourquoi le mythe de la virilité est une catastrophe pour les femmes, mais que le féminisme, ça sert aussi aux hommes. Oui, parce que la virilité, ça ne vous fait pas du bien à vous non plus. Et il en est déjà question dans le bouquin que j'avais lu, les sur la table, et je vous mettrai le lien du podcast en question en barre de description. Voilà, j'ai envie de le lire, ça a l'air intéressant. Pas tout à fait, enfin. Nausicaa de la vallée du vent, nature writing, écologie, nature, post-apo. Là, j'irai effectivement à la librairie et je lirai aussi. Ce sera probablement ma vidéo la plus longue, je suis en train de voir le temps que j'ai mis à parler. Donc, Nausicaa de la vallée du vent, nature writing, écologie, nature, post-apo. J'irai à la librairie et je pense que je prendrai aussi des livres. De la littérature engagée, enfin, des essais sur tout ce qui est écologie et nature, notamment sur la question animale, je pense. Mais sinon, je vais lire aux éditions Gellmeister My Absolute Darling de Gabriel Tallent. Vous regardez-moi cette couverture magnifique. Alors, aux éditions Gellmeister, c'est une édition qui publie uniquement des auteurs américains. Et généralement, ils les choisissent extrêmement bien. Enfin, j'ai jamais été déçue par un Gellmeister. J'en ai lu que des très très beaux. En tout cas, des très émouvants. Un de mes grands coups de cœur dans l'an dernier, c'est de Jean Egeland dans la forêt, qui était tellement beau. Et là, cette fois-ci, donc My Absolute Darling, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Turtle, qui habite dans un bois, qui vit dans un bois. Et en fait, elle essaye de fuir son père en se promenant dans les bois. Elle va se lancer dans une aventure avec un jeune homme. Je pense que le bois va avoir une importance particulière. On verra, hein. Mais en tout cas, j'ai très envie de le lire. Et c'est une amie qui me l'a offert d'ailleurs aussi, celui-ci. Deux que j'arrive pas à classer. C'est très mal pour une bibliothécaire. Mais je sais pas dans quoi les mettre exactement. Si vous avez des idées, ma mère m'a prêté Zarbi, les yeux verts de Joyce Carol Oates. C'est un livre de littérature jeunesse, enfin jeunesse, young adult, où c'est sur une jeune fille qui a apparemment tout pour être heureuse, mais qui entre dans une forme de révolte. Parce qu'elle donc elle s'appelle Frankie, et pour elle, y a une deuxième elle qui s'appelle Zarbi. Peut-être que, et je ne sais pas dans quelle catégorie du challenge le placer exactement. Si vous avez une idée, ben, je veux bien que vous me le disiez en commentaire. J'avais très envie de le lire depuis longtemps. Enfin, je l'ai vu à deux fois à la fête du livre de Bron, et j'avais envie de le lire. Mais je me suis dit, ah non, je ne le prends pas maintenant, je le prendrai une autre fois, parce qu'à la fête du livre, je prends des livres que je suis pas forcément sûre de revoir, et là je me dis non mais celui-là je m'en souviendrai, donc je le prendrai peut-être une autre fois. Bon, cette autre fois est enfin arrivée. Je vais lire le recueil de nouvelles Contes
contes et récits du Parc des Merveilles. Bon, remarquez, ça peut rentrer dans contes, mais je ne savais pas trop forcément où le mettre. Et donc, c'est du steampunk, qui est un style que je connais assez peu finalement. C'est, donc, il y a des nouvelles sur le Paris des Merveilles, donc le Paris début du XXe siècle, avec tout ce qui est. On peut pas parler de miracle scientifique, mais c'est un peu une oxymore, mais oui, c'est ça, sur tout ce qui est voilà, autour de fin de siècle, d'un siècle, fin d'un siècle, début d'un autre. Ça me faisait très envie. Donc voilà pour ma pile à lire. Merci beaucoup à toutes celles et ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout parce que elle est longue, c'est ma plus longue. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Ceci dit, j'imagine que si vous avez regardé jusque-là, c'est que sans doute qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de votre propre pile à lire, par exemple, soit en me mettant la liste de ce que vous allez lire, soit si vous avez une chaîne BookTube et que vous avez fait une vidéo dessus, ben, mettez-moi le lien de votre vidéo, j'irai la voir, j'irai jeter un œil. Ça se trouve, ça va me donner d'autres idées en plus, c'est pas grave. Et bon, bah, voilà, n'hésitez pas à commenter pour me dire si vous avez lu certains livres que j'ai présentés, si vous avez d'autres conseils de lecture, allons-y, partageons. Et je vais vous souhaiter un excellent challenge, un excellent automne, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos plus courtes, promis. Ciao!